Et oui, coucou à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo. Comme promis, je vous présente le nouveau ticket de la Française des Jeux, un ticket Paris 2024 d'une valeur de 5 euros, donc ville candidate pour les prochains Jeux Olympiques. Donc voilà, je découvre ce ticket en même temps que vous. Vous avez 4 jeux. Donc pour le premier jeu, il va falloir gratter la piste et essayer de cumuler le maximum de médailles. Évidemment, plus on en trouve, plus le gain est élevé. Pour le deuxième jeu, donc si l'équipe A réalise un score plus élevé que l'équipe B, vous remportez le gain associé 6 contre. Pour le jeu numéro 3, pour chaque ligne, si on découvre deux symboles identiques, c'est gagné, on remporte le gain associé. Et enfin, le dernier jeu, si on retrouve deux sommes identiques à celles de la case gain, ah bah comme le ticket goal, je pense, hein, c'est le même principe, on remporte le gain associé. Et bien écoutez, c'est parti, on va commencer sans plus attendre à gratter le premier jeu. C'est parti, on va gratter la piste pour voir ce qui s'y cache. Alors, les symboles sont tout petits. Donc là, Notre-Dame, non. Une étoile, non plus. Un vélo, non. Un ballon, non plus. La tour Eiffel, non. L'arc de triomphe, non plus. Évidemment, ça a un rapport avec Paris, mais nous n'avons toujours rien. Le t-shirt, non. Un drapeau, non plus. Un podium non plus. Et enfin, le château de Versailles. Eh bien non, nous n'avons rien gagné pour l'instant sur ce premier jeu. On va passer au jeu suivant. Donc si on réalise un score supérieur à l'équipe adverse, c'est gagné. Alors nous avons réalisé combien? 69, c'est énorme. C'est énorme. Alors oui, c'est du handi basket. Alors le 69, c'est pas mal, hein. On va voir si on peut faire, si c'est l'équipe a fait mieux que nous, peut-être. Alors, eh ben non, on a gagné. Si l'équipe A, oui, voilà, 69 à 66. Bah écoutez, on a remporté au deuxième jeu. Ah bah quel plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo gagnante. Et oui, puisque le deuxième jeu, on a remporté quelque chose. On a réalisé un score supérieur à l'équipe adverse. Super, on va gratter le gain tout à l'heure pour plus de suspense. Eh ben c'est excellent, ça me fait vraiment très plaisir. Pour le jeu numéro 3, donc pour chaque ligne, les trois lignes, il faut trouver deux symboles identiques. C'est parti. Alors, première ligne, un sifflet. Une étoile, un nageur, château de Versailles, lunettes de plongée. Donc là, nous n'avons rien sur le premier, première ligne, deuxième ligne. Alors, un plongeur, Notre-Dame, non. Un podium, non plus. Un ballon, non plus. La tour Eiffel, non plus. Donc là, nous n'avons rien remporté, non plus. Et enfin, la dernière ligne, peut-être qu'on va voir quelque chose. Une piscine, un seau. Un drapeau, une voile. Ah, deux voiles, messieurs, dames, super. Et deuxième jeu gagnant. Ah bah c'est une très bonne nouvelle. Normalement, on doit être remboursé de notre ticket. J'imagine que ça doit être 5 euros au minimum. Donc très très bien. On a deux voiles, messieurs, dames. Incroyable. Et oui, bah, pas beaucoup de chance. Beaucoup de chance pour ce premier ticket. Voilà. Et enfin, le dernier jeu. Alors pourquoi pas jamais 203, dit-on. On va le découvrir. Donc si on retrouve deux sommes identiques à celle de la case gain, c'est gagné. Alors là, on a 50. On a 10 euros. Donc ça, c'est possible, bien sûr. 5 euros, c'est aussi possible. Et, ah, on a un doublon à 50. Alors ce sera incroyable. Si on a 50 à la case gain, on remporterait cette somme. Alors ça va être compliqué. Et non, voilà, 100 euros. Ça aurait été très beau d'avoir un doublé gagnant. Donc voilà, et eh ben écoutez, on va passer au gain maintenant. Alors deuxième jeu, donc 69 à 66, attention. Et 10 euros, messieurs, dames, très très bonne nouvelle. Déjà, on a doublé notre mise sur ce ticket. Et enfin, jeu numéro 3, on a deux voiles. Alors attention, on va découvrir le gain ensemble. 5 euros, et eh ben ça fait 15 euros, messieurs, dames, super. On a triplé notre mise sur ce ticket. Et eh ben voilà, très très bonne nouvelle. Et eh ben écoutez, eh ben, je vous remercie.